Bonjour à toutes et à tous. Alors, on va corriger les exercices qui étaient à faire pour aujourd'hui. Donc, on avait trois exercices. Le premier, pour rappel, le périmètre et le contour de la figure. Il faut donc compter combien il y a de traits d'un carreau de long tout autour de la figure, hein, puisque l'unité de longueur, elle est là. Donc, en gros, c'est ce petit truc-là. Combien on peut le retrouver dans la figure 1. Donc, généralement, on commence toujours par un coin. Donc, on peut commencer par le coin en haut à gauche. Et puis, on fait 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, si je prends hop, Workspace, hop, exercice 1, le périmètre de la figure A, je crois que c'était A, non, c'est 1, de la figure 1. Et de, je sais plus ce que j'ai dit, 4 et 4, 8, 10, 12 unités de longueur. Figure 2. On commence par un coin, on va dire par exemple ici, on peut commencer par un autre coin, il n'y a pas de problème. Alors ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Le périmètre de la figure 2 est de 16 unités de longueur. Figure 3, je vais commencer par là, par exemple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le périmètre de la figure 3 est de 12 unités de longueur. Et enfin, la dernière, ici, on commence en haut à gauche, par exemple. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Le périmètre de la figure 4 et de 18 unités de longueur. Voilà. Tout simplement, suffit de compter les contours. Exercice 2. On continue. Alors, l'exercice 2, on avait des figures un peu plus compliquées. Alors, il fallait pas prendre en compte, j'ai oublié de le préciser, mais c'est pas grave. Le triangle rose et le losange bleu sont utilisés pour un autre exercice sur les aires. Donc, nous, on va utiliser l'unité de longueur. Donc, c'est ici, c'est un côté de losange. Donc on y va pour la figure 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le périmètre de la figure 1 est de 8 unités de longueur. La 2. 1, 2, 3, 4, 5. Le périmètre de la figure 2 est de 5 unités de longueur. La figure 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le périmètre de la figure 3 est de 12 unités de longueur. Et enfin, pour terminer la figure 4, si on commence ici par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le périmètre de la figure 4 est de 7 unités de longueur. Voilà. On passe à l'exercice 3. Cette fois, pour l'air, il faut calculer combien de carrés roses on peut compter à l'intérieur de la figure, puis même question avec le triangle bleu. D'accord? Donc déterminer l'aire de chaque figure en prenant comme unité d'aire le carré rose. Alors, petit a. Ça, c'est quand on prend le carré rose. Combien il y a de carrés roses là-dedans? On fait l'intérieur cette fois. L'aire, c'est l'intérieur. Il y en a 1, 2, 3, 4. Ah non! L'aire de la figure, c'est A cette fois, oui. Ils auraient pu mettre toujours pareil. Et de 4 unités d'air. Ici, alors il y a 1, 2, 3. Ces deux-là, quand on les met ensemble, ça fait 4, ça fait un carré. Et là, ça fait 4,5. Donc 1, 2, 3, 3,5, 4, 4,5. L'aire de la figure B est de 4,5 unités d'air. Figure C, 1, 2, 2,5, 3. Ou alors qu'on se dit qu'en mettant ces deux-là ensemble, les extrémités, on aura un carré entier. Donc l'aire de la figure C est de 3 unités d'aire. Petit b, pareil en utilisant ça. Donc combien de fois on peut mettre ça à l'intérieur de ça? Donc on peut mettre 1, 2, là c'est comme si je cassais le carré en deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc l'aire de la figure A est de 8 unités d'air. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. L'aire de la figure B est de 9 unités d'air.
Et ici, on a les carrés, on les casse en deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'aire de la figure C est de 6 unités d'air. On remarque un truc, c'est que l'unité d'air ici étant deux fois plus petite que l'unité d'air ici, en fait, on peut tout simplement diviser par deux l'unité d'air. Donc, si on prend une unité d'air deux fois plus petite, on aura deux fois plus d'unités d'air. C'est pour ça que les réponses de la question B sont deux fois plus grandes que la question A. Si je peux mettre 4 carrés, bah, je peux mettre 8 demi-carrés. Si je peux mettre 4,5 carrés, je peux mettre 9 demi-carrés, etc. Voilà, c'est tout pour la correction. Vous allez avoir le cours aussi à écrire pour demain. Voilà, bon courage.